tout le monde, c'est Jeudi Dream, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un tout nouvel épisode d'Amazia et je suis en compagnie de Nico et de Vivi. Voilà. Coucou. Donc Nico aujourd'hui va nous faire visiter sa magnifique ville Océania. Je te suis Nico. Oui, magnifique. Bon, c'est encore en chantier. Ah mais le mec il genre attends, Nico, j'ai un cadeau pour toi. Ah. Ah je oui. Je t'offre ce grille-pain. En marque voilà. De mon amitié, tu pourras gratter tes tartines maintenant. J'ai, voilà. pas encore de cuisine, mais voilà. ça sera pour la pendaison de crémaillère, tu vois. Alors, donc. Bah déjà, je voulais te remercier pour l'hôtesse. Donc, l'hôtesse unilombiste. Que je revois le skin parce que... Et Micheline, là, ça va pas du tout, alors. Voilà, donc l'hôtesse de l'air qui vous accueille quand vous arrivez chez moi. Donc, on arrive, on débarque, en fait, tout simplement. C'est une ville un peu utopique, futuriste. D'accord. On débarque, tout simplement, on descend d'une navette de transport. Précise juste une chose. Ça fait des mois que, Nico, tu bosses sur ce projet. Et je n'ai rien vu du tout du projet. Donc, j'ai même pas vu l'évolution. Donc là, ça va être... Il y a une fois, t'es passé en stream, mais on était en train de creuser... Là, il n'y avait rien de construit, en fait. On était en train de creuser sous le dôme, quand la fois où t'es passé sur... Rien que l'effet là, ici, ça déchire sa race. Hein. J'ai quand même envie de dire, sur l'échelle de 1 à 10, de déchire sa race, du déchirement de sa race, ça fait au moins 10 000. Hein. Je sais quand même le dire, ça, les gars, tu vois. C'est pas mal. Donc voilà. Je te suis. Et si tu regardes sur, avec le J... Tu verras que le dessus de la navette de transport numéroté avec sa mère. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bah, écoute. Bon, alors ici, du coup, c'est les petits pas de, on va dire, d'atterrissage touristique, hein, pour. Oh merde. Pardon, excusez-moi. Et là, on arrive au dessus du dôme d'accueil. Alors, okay. As-tu une plume de laser? Non. Non. Bon, faudra faire attention. Je l'ai oublié, en fait. Je l'ai oublié. Je vais te montrer ce que c'est, en fait. J'ai fait un truc grâce au nuage de laser. Je te montre quand tu vas... Maintenant, je peux vite aller... Wouh! Je peux vite aller la chercher, s'il faut. Non, bah, faut juste que tu fasses attention. Pas comme Bouboune, de faire un effet momentum, de rebondir plusieurs fois, puis de mourir s'écrasant pas. Alors, là, tu sautes et tu maintiens le shift. Pour passer au travers du nuage, hop, et en bas pareil, tac, voilà. Et là, c'est génial. Bon, là, tu viens d'avoir le succès. Alors, là, tu maintiens le shift et tu marches en maintenant le. Non, shift. J'arrive pas. Non. Lâche le pas. Et là, tu marches tout en. Voilà, shiftant, c'est bon. Voilà. Wow. Le chat, on sait jamais. Non, oh, pas sa de mort. Mère. Non, ça va. Waouh. Voilà. Ah merde. Oh, mais t'es un malade. Oh, mais le malade mental! Ok! D'accord! Non, là, il a le sourire, tu vois, le gars, il est fier, tu vois, il est fier! Et il est content! Ah, bah, il est content! Bah, Bouboune, il est passé, il a eu la même réaction de toi! Il fait, mais t'es comme Alps, t'es un grand malade, en fait! Mais lui, il a crevé, c'est ça? Bouboune, ouais. En fait, il a fait 2-3 fois, il a rebondi, et en fait, il s'est écrasé là, et il y a même une partie de ses affaires qui rebondissait sur les nuages, tu sais! Oh, donc voilà, donc là ici, même punition, je dis, hop, on shift. Voilà. Non. Je déteste ça. Voilà, c'est fait. Voilà. Ok. Oh, c'est un truc de pété. Donc mon chantier actuel, il est là, c'est pour ça que j'ai mes tables de craft. Et ok. Et donc voilà. Alors ici, il va y avoir 2 statues, mais... Je rage quitte, toujours. Et là, on arrive vraiment oh à la partie là. Où j'ai arrêté. Là, ici, il va y avoir un tunnel qui va partir vers un autre dôme ici. Et là, ici, pareil, des plus petits. Et puis là, on arrive dans le premier dôme que j'avais partiellement construit. C'était surtout pour assécher le temple de la mer et faire une ferme à Guardian, bah, quand tu vois tous les blocs de Prismine que j'ai dû utiliser, les skills lanternes et tout. Ah ouais. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment ici, ça, c'est vraiment la grosse partie chantier. Donc, okay. Donc voilà, c'est pour ça. Donc le temple a été redesigné, il a été repassé en impair parce que. C'est celui qu'on avait fait, celui-là ? C'est celui qu'on avait vidé ? On avait été visité tout, que j'ai entièrement démonté et que j'ai partiellement reconstruit. J'ai pas encore tout fini, hein, mais voilà. Si t'arrives ici. Donc tu pourras monter là après par la suite.
Donc là, si t'as la femme à Guardian, d'ailleurs, tu les vois en train de rôtir en bas. Ah ouais. Voilà. Et ici, ils font des bruits un peu bizarres, hein, je tiens quand même à dire. Ça donne des idées. Il y aura des petites pièces qui vont t'aménager avec des. Oh, des espèces ils de font petites, du bateau. Oh, qui sont mignons. Bah, regarde, il y a un trou là-haut, on les a ramenés hier avec. Vous êtes mal, vous avez dû vous marrer. Bah, ça va. Hein. Ça a été relativement simple, hein, Vivi, de les ramener. Ouais. Le plus dur, c'était de les sélectionner, de les faire sortir de leur petite cage, en fait, pour les mettre dans des bateaux. Mais voilà, donc du coup, je vais faire, pour le petit côté trollolol du vieux temple, des petites salles où il y aura des petits hôtels, où il y aura un petit PNJ, puis tu pourras aller faire du troc en mode j'ai des offrandes et tout, etc. Ok. Voilà, ici, pareil, il y aura une statue avec un trident et tout, mais pas encore tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, il me faut des masses de blocs d'émeraude, donc c'est pour j'imagine ça que j'ai ramené. J'imagine bien les offrandes pour le prêtre. Voici la chair des morts. C'est ça. Mais c'est vraiment plus ça. Ok. C'est quoi la rotten flèche? C'est ça. C'est la chair de zombie, hein, la chair des morts. Et voilà, donc mon petit chez moi pour l'instant. Si on m'avait dit qu'il y avait votre console sur mon propre serveur, j'aurais pas cru. Hein. Bon, par contre, eux, ils commencent à me les briser sérieusement, là. J'en suis à combien de slime tués? Oh, 4 millions. Non, mais attends. Oh, 6 000. Mob, les slimes. Slime, 3618. Ouais. Plus de slime. Ah, y a un copain, là, qui veut jouer. Ah ouais? Comment t'as spawné, toi? Je sais pas, mais il a spawné. Wow! Tu vois, t'as plus les petits Pokémon légumes, là? Ah non. Pourtant, je viens de mettre... Pokémon légumes. J'ai... Bah, c'est le truc de route. Il y a aucune zone en rouge, ici. Ah si, juste dessus, là. De ma petite micro-farm. Hop là. Donc voilà, et ça, c'est tout le stock de stone. Oh, ils font des cris, mais déchirants, les pauvres. Ouais. Oh. Mourez. t'es ignoble. T'aurais pitié d'eux, en fait. Avec la tête du dragon, juste là. Ah, c'est ta salle AFK ou quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ok. C'était tout, c'est seulement ça. Tu vois, c'est seulement, tu vois. Genre... Oui, c'est seulement ça. Seulement ça. En fait. Ça. Non, je déconne, je serais incapable de faire quelque chose comme ça. Vraiment incapable. Comment est-ce qu'on remonte? C'est Fab me perturbe, je dois te l'avouer, ça me perturbe, ça me vend du rêve, ça Alors, me fait rêver. Alors, tu peux remonter soit par ici, et tu prends un bateau et tu retournes au spawn, donc où il y avait l'échelle qui était derrière toi, ou alors tu reprends les bring, là, les téléporteurs, que j'ai fait en mode... Je vais grimper au bring, mais je sais plus par où c'est, en fait, pour aller... Bah, viens par ici. Attends, il y a un gros slime, là. Si tu vois mon nom sur la minimap... Regarde, viens vers moi. Voilà, en bas. Oui. Ah oui, parce que moi j'ai une plume, hein, donc bon. Ah, moi je l'ai oublié. Et voilà, donc Oh, c'est terrible, t'es vraiment un grand malade à Nico, hein. Sérieusement. C'est splendide. Vraiment. Et tu vois là-haut, j'aurais bien voulu mixer avec des feuilles de sakura. Mais en fait, j'en ai pas encore trouvé l'équipement, donc il faudra vraiment que je fasse de l'explo. Et si vraiment en faisant de l'explo, on trouve pas un biome, parce que ça doit être un biome Floricraft. Hein, parce que comme j'en mettrai en vente si jamais. À ce moment-là, ouais. Mais avant, je veux vraiment essayer de l'avoir de manière la plus legit possible. Avance un peu. Le truc en voilà, aïe. Voilà. C'est vrai que moi, avec la plume, j'ai l'effet de... que tu planes, donc du coup je peux me réceptionner plus facilement. Attends, je vais quand même essayer de faire une petite photo de ce bordel, parce que là c'est tellement beau. J'ai fait quelques screens il y a quelques jours avec les shaders, justement pour faire mes prochaines miniatures de vidéos, donc bon. Moi je vais mettre une petite pause, je vais faire une petite pause ici à mon épisode, je ne sais pas ce que vous aurez après, donc voilà, surprise. Je vais mettre en description de vidéo le lien vers la chaîne de Nico pour que vous puissiez suivre un petit peu ses aventures dans ses bulles, donc voilà. À tout de suite. Heureux les amis. Donc ça sera un épisode d'Amazé un peu plus court que prévu, vous n'aurez vu que la base de Nico,
tout simplement parce que vous aurez samedi qui vient la rediffusion d'un épisode d'Amazia que j'ai fait en live. Dans cet épisode, j'y ai décoré ma chambre et ma salle de bain privée. Je ne vais pas vous montrer, je vous laisse l'occasion d'aller voir ça voilà, dans la rediff donc samedi qui sort. Hein, donc bien voilà. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu s'il vous a plu, mais je pense que c'est davantage Nico qui mérite le pouce bleu hein, parce que moi j'ai juste visité. Donc voilà, je vais vous mettre le lien vers la chaîne de Nico en description de vidéo. Donc ben voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao, ciao.